Donc par la suite, donc ça a été fait un peu dans les années 90-2000. Par la suite, on a aussi inclus tout ce qui est usage pour des besoins environnementaux dans le concept de bassin fermé. Donc tout ce qui est nécessaire à la dilution de la pollution, la lutte contre les intrusions salines, au maintien des systèmes humides, fluviaux, estuariens et côtiers. Donc c'est quoi les signes de la fermeture d'un bassin? Donc c'est typiquement tout ce que vous avez entendu ce matin dans les présentations. On peut avoir une diminution des écoulements, on peut avoir une baisse structurelle du niveau des nappes, et on a une forte compétition entre les usages, parfois une pollution sévère et une dégradation des écosystèmes. Donc quand on est dans un bassin fermé, ça veut dire quoi? En gardant en tête que les eaux de surface et les eaux souterraines sont connectées, ben, ça veut dire tout simplement que toute intervention qu'on fait équivaut à une réallocation de l'eau et non pas à la réinvention d'une nouvelle ressource. Ici, vous voyez un petit retenue collinaire dans la région que j'avais visité en 2018. Eh bien, les riverains de ce barrage qui avaient dû rendre des terres pour la construction du barrage comptaient bien récupérer un part d'eau dans ce barrage pour faire de l'agriculture. Et cette eau va bien sûr être enlevée dans tout ce qui va aller vers l'aval, qui va peut-être moins alimenter les nappes vers l'aval, etc., etc. C'est un petit peu la même chose sur tout ce qui est pompage intensif à partir des nappes phréatiques. Ici, c'est une photo dans la zone de Feija, dont on a parlé aussi ce matin. Donc tout pompage intensif à partir des nappes phréatiques va bien sûr aussi être une réallocation de l'eau. Je veux revenir un petit peu sur les systèmes anciens, des systèmes irrigués des oasis qui existaient et qui étaient très beaucoup imbriqués. Il y avait donc bien sûr de la dérivation de l'eau de surface à travers des séguias, à travers le gravitaire. Ici, vous voyez une photo que j'ai prise dans le Sahro quand j'étais en mission avec mon collègue Ahmed Bouazis. Donc là, c'est typiquement une oasis qui est située dans le lit majeur de l'Ouette, de la rivière. Donc, deux ou trois fois par an, on récupère de l'eau de surface pour irriguer. Mais ce qui est aussi très important, c'est par la suite, on a des puits peu profonds qui vont donc reprendre toute eau qui a été stockée dans cette oasis. Et donc, on peut irriguer sur une assez longue période, à la fois donc de manière complémentaire entre l'eau de surface et l'eau souterraine. Ce qui est important aussi, très important dans la région, c'est l'épandage de crues. Donc en année d'abondance, il y a jusqu'à 180 000 hectares qui sont où on va faire de l'épandage de crues, notamment pour produire des céréales. Donc c'est important pour la production de céréales, mais ce qui est surtout très important, c'est que c'est une recharge massive de l'eau souterraine, de l'eau qu'on peut utiliser par la suite pour toute autre production et pour l'eau potable, etc. Et puis, quatrième système dans la zone, donc les khetarins, on en a parlé aussi déjà ce matin, donc qui consiste en une exploitation très lente, très lente des nappes, du toit des nappes, par un dispositif hydraulique. Donc en bas sur la photo, c'est un canal renforcé par l'office pour l'épandage de crues, mais qui est de moins en moins utilisé. Donc les ruptures récentes dans ce système qui était très imbriqué et aussi très connecté de l'eau, c'est qu'on a vu donc une exploitation massive des eaux souterraines peu profondes, notamment à travers des extensions. Et puis par la suite, il y a eu d'autres extensions qui sont basées sur l'exploitation massive des eaux souterraines profondes. Donc tout à l'heure, je vais parler un petit peu de la distinction entre les deux ressources. Un troisième phénomène, c'est la diminution rapide de la superficie de l'épandage de crues. Et donc aujourd'hui, il y a de moins en moins de recharges. C'est lié au changement climatique, mais c'est aussi lié au fait que les gens ne sont plus intéressés, organisés pour faire cette technique d'irrigation très importante.
Et puis, une quatrième rupture, qui est la construction de retenues collinaires. Et en quelque sorte, comme je disais tout à l'heure, quand on fait ça, on remonte l'eau dans le bassin versant et il y a moins d'eau disponible vers l'aval. Donc un petit focus sur les eaux souterraines profondes, parce que ce sont des eaux qui sont beaucoup moins alimentées par les eaux de surface, où les interactions entre eaux souterraines, eaux profondes, eaux souterraines sont beaucoup moins fréquentes. Et donc c'est une ressource qu'on peut considérer comme une ressource presque minière, très peu alimentée. Et donc la question, c'est bien de dire qu'est-ce qu'on va faire de cette ressource stratégique. Est-ce que c'est une ressource de développement territorial? Et si oui, pour qui et comment? Est-ce que ce sont des eaux un peu tampons dans un contexte de changement climatique? On peut s'attendre à des lendemains un peu difficiles quand même. Et donc, est-ce qu'il faut les préserver pour les utiliser plus tard? La question de l'eau potable, hein, donc ce matin, le représentant de l'ONE, a bien précisé que de plus en plus, l'ONE utilise des eaux de surface. Mais il y a aussi des questions sur la pérennité de ces ressources chaque année. Donc, est-ce que les eaux souterraines profondes ne sont pas aussi une ressource stratégique pour l'eau potable? Et puis, je pense qu'il faut aussi penser à nos enfants qui, peut-être aussi, aimeraient avoir cette ressource dans les 10, 20, 30, 50 ans à venir. Maintenant, je voulais faire deux observations de terrain. Quand j'ai au cours des dernières années. La première chose que je voulais partager avec vous, ce qui m'a vraiment frappé, c'était les efforts qu'on voit un petit peu partout dans le territoire, des gens qui veulent reconnecter les eaux de surface et les eaux souterraines. Ici, vous êtes sur une exploitation qui a été installée pendant le plan Mont-Roc Vert, avec quelqu'un qui a un forage, un forage, mais dans la nappe phréatique. Il a un bassin, comme vous le voyez sur la droite, alimenté par ce forage. Ce qu'il a découvert, c'est que en fait, la nappe baisse très vite. Il a des problèmes d'alimentation. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a construit un autre bassin à côté. Donc, c'est un bassin pour recharger la nappe. Donc, en quelque sorte, il a la recharge. Et en même temps, il collecte de l'eau sur la colline. Donc à gauche, vous voyez donc un des aménagements qu'il a fait pour diriger l'eau vers ce bassin sans revêtement. Et donc il laisse décanter cette eau dans ce réservoir. Et puis donc il a une ressource supplémentaire en eau. Donc il y a une reconnexion qui se fait un petit peu entre les eaux de surface et les eaux souterraines. Et je pense que quelque part, c'est aussi une reprise des connaissances ancestrales, parce que cette connexion existait bel et bien dans tous les systèmes d'irrigation de la zone. On voit ce genre d'initiatives un peu partout. Partout où on va, des gens qui sont en train d'installer donc des bassins, qui essayent de dériver l'eau de l'ouette ou de dériver des eaux de ruissellement pour recharger de la nappe et pour avoir une ressource supplémentaire. Sur la droite, vous voyez une initiative donc, de l'agence de bassin qui a aussi est en train d'installer donc, des seuils pour ralentir l'eau et pour favoriser l'infiltration. Et la dernière photo sur ce premier thème des observations, c'est une exploitation. Je ne sais pas si on peut faire passer la vidéo. Non ? Bon, ce n'est pas grave. Donc là, vous voyez une exploitation que j'avais visitée au début. Et ce qui m'avait frappé, c'était que l'agriculteur se barricadait contre les eaux de crue parce qu'il pensait que ça allait endommager ses cultures. Donc on a longuement discuté et sur les bienfaits en fait, d'avoir cette eau sur l'exploitation, à la fois pour la fertilité, mais aussi pour avoir un recharge de sa nappe phréatique. Et cette année, donc, on a reçu des petites vidéos de sa part pour montrer que cette année, il a stocké de l'eau. Il a eu de la chance parce qu'il y a eu une très bonne pluie à un moment donné. Et donc, apparemment, l'eau dans son puits est assez remontée. Et donc, d'où le slogan un petit peu, il faut travailler avec l'eau et pas contre l'eau. Ah voilà, ça marche. Concernant le chiffre clé pour le jour, on va
Donc voilà pour la recharge. Une deuxième observation de terrain que je voulais partager, c'était sur les Khatara, justement. C'est le travail de thèse de Yacine Khadi qui est présent ici. Donc, bon, la problématique a été bien posée ce matin. Hein, donc, pas mal de Khatara qui souffrent d'un manque d'eau, d'un manque de débit dans leur Khatara. Et l'adaptation qui a été faite, c'est d'installer donc du pompage solaire pour alimenter avec un petit débit supplémentaire à la Khatara, tout en gardant toute l'organisation sociale de la Khatara à Laval intacte. Bon, après, on peut en discuter, je n'ai pas beaucoup de temps, mais je pense que pour moi, ça reste des Khatara, même s'il y a un dispositif de pompage solaire. Parce qu'un Khatara, ce n'est pas seulement un dispositif hydraulique, mais c'est aussi un ensemble de règles, un ensemble d'organisations sociales. Donc on peut dire, je pense, qu'il y a une continuité de la Khatara par un accès partagé et collectif à l'eau. En même temps, ça pose aussi un peu de problème, parce qu'en quelque sorte, ces propriétaires de l'eau de la Khatara ont rejoint un peu la course vers l'eau pompée. Donc on est un peu sur une thématique de pomper ou disparaître, donc, qui est aussi le titre d'un article que Yacine a rédigé. Sur la petite photo, vous voyez une vanne qu'on peut fermer ou ouvrir. Donc il y a aussi un peu une règle qui a été instaurée sur qui bénéficie de cette eau de solaire et qui n'en bénéficie pas. Je voudrais rappeler que les adaptations classiques des Khatara, que en fait la Khatara, c'est un dispositif adaptatif par excellence. Ce n'est pas par hasard que vous voyez que ces Khatara ici, que vous voyez la galerie drainante est très haut, parce qu'en fait, c'est des gens qui ont suivi la baisse de la nappe très lente avec les siècles pour pouvoir toujours laisser la galerie en eau. Et donc, typiquement, quand on était à sec dans ce Khatara, soit on prolongeait la Khatara vers l'amont, soit on l'approfondissait, comme je disais, soit on ajoutait une nouvelle branche à l'amont, donc une infrastructure un peu en fourche. Et il y a aussi des exemples où on déplaçait carrément la palmeraie vers l'aval. Pour terminer, je voudrais dresser quelques perspectives, quelques questions. Je pense que la première question qui est vraiment importante à aborder, c'est la question de l'allocation, la réallocation, le partage des eaux de surface et les eaux souterraines renouvelables, parce que en fait, on est dans un contexte oasien où on est en surexploitation, on est en suraménagement, et donc c'est vraiment une question de comment est-ce qu'on veut utiliser ces eaux, à qui on veut les allouer. Une des pistes qui me semble très intéressante, c'est de revenir à un accès collectif à l'eau, parce que c'est l'accès collectif aussi qui fait réfléchir à la question de rareté de l'eau et qui fait réfléchir à tout le monde que voilà, ce n'est pas une ressource qu'on peut pomper tout le temps, 24 heures sur 24. L'autre question, c'est un peu la question de l'utilisation des eaux souterraines profondes. J'ai participé à un séminaire en 2009 en Tunisie. Il y avait un géographe tunisien qui s'appelle Kassah. Et à ce propos, hein, donc, à propos donc, de l'utilisation des eaux souterraines profondes, il disait qu'il y a deux choix. Soit on fait la stratégie du taureau et on va développer très rapidement et on va brûler en fait, ce réservoir stratégique en peu de temps. Soit on adopte une stratégie de l'hérisson, on va plus doucement et on va essayer de prendre le temps pour consommer tout ça. Donc je pense que la qualification de Kassah, il s'applique toujours et c'est, je pense, une métaphore assez intéressante pour réfléchir à cette question des eaux souterraines profondes. Et cette question est très différente des eaux souterraines renouvelables qui sont complètement connectées aux eaux de surface. Et bien évidemment, à la fin, il va falloir aussi connecter l'eau au système de production, à l'écosystème que constitue l'oasis, à la biodiversité, et à des questions d'alimentation. Et donc ça, je pense que les autres intervenants de cet après-midi vont toucher à toutes ces problématiques-là. Merci beaucoup.
C'est excellent. Merci, merci beaucoup Marcel pour l'efficacité, pour le. Vous avez plaidé donc dans votre présentation autour de ces thématiques du partage de l'eau, sur le retour à la gestion ou l'accès collectif, justement comme solution à ces espaces un peu particuliers, là qui normalement, là où l'eau souterraine et l'eau superficielle doivent être raisonnées de manière holistique. Ils ne sont pas décloisonnés et que la solution résiderait justement dans une meilleure allocation de ces ressources. Vous avez également fait un passage, un rappel conceptuel et contextualisé avec quelques exemples d'ailleurs qui sont ressortis durant les exposés de la matinée. Et ça nous donne effectivement un aperçu sur ces systèmes moisiens qui sont très dynamiques et qui recèlent encore de ressources floristiques et faunistiques. Et ça me donne la transition pour passer au deuxième présentation. Donc j'invite professeur Youssef pour nous parler un peu de sa présentation intitulée Caractérisation et gestion durable de la biodiversité végétale des parcours dans les zones oisiennes de la région de Ra'at Safilat. Présentez, s'il vous plaît, affichez la deuxième présentation, la première présentation. Voilà. Merci, Salam Rani. Donc, comme ça a été déjà dit, je vais essayer de vous présenter les résultats d'une étude que nous avons réalisée avec la FAO sur l'état de la biodiversité dans les parcours avoisinant les espaces oisiens dans la région de Ra'at Safilat. Et cette étude-là, il s'intègre dans le cadre du projet Oasil, vous avez certainement entendu parler, qui vise à revitaliser les agroécosystèmes oisiens à travers une approche durable, intégrée, paysagère, dans justement la région de Ra'at Safilat. L'objectif principal de ce projet est de revitaliser, redynamiser ces écosystèmes suite aux multiples contraintes et dégradations que ces écosystèmes ont connues pour qu'ils puissent redevenir productifs, attrayants et sains et pour qu'ils puissent soutenir et rendre plus résistants les moyens de subsistance des communautés qui vivent sur ces écosystèmes. Cette étude, je vais présenter uniquement une partie de cette étude, mais l'étude dans sa globalité elle répond à un certain nombre de résultats et d'extraits dont justement de développer les connaissances et l'information sur l'état et la gestion durable des ressources naturelles au sol biodiversité dans les agroécosystèmes oisiens. Et aussi, cette étude cherche à réaliser une évaluation et la surveillance de la diversité génétique au niveau des différents types d'oasis qui ont été identifiés. Et aussi, une autre partie de cette étude a été consacrée à l'analyse des pratiques, aussi bien les bonnes pratiques que les mauvaises pratiques qui sont à l'origine de l'état de cette biodiversité. Il était question donc de réaliser un diagnostic de la biodiversité végétale au sein des espaces pastoraux. Il y avait différentes études. Sylvia Yeshi tout à l'heure va parler de la diversité faunistique. Il y avait une diversité de la flore cultivée. Et la partie que je présente ici, ça concerne uniquement la partie de la biodiversité végétale au sein des espaces avoisinants de l'arrière-pays des oasis. Et justement, cette étude était réalisée dans la perspective de développer des opportunités de valorisation d'une manière participative et raisonnée, objective, cette biodiversité et de manière à assurer sa durabilité. Donc, comme je l'ai déjà dit, l'étude vise à améliorer les connaissances sur la biodiversité végétale, notamment celle des zones pastorales des agroécosystèmes oasiens, en vue, bien sûr, de sa préservation. Et cette étude a été réalisée au niveau de cinq sites qui ont été choisis comme des sites pilotes pour le projet Oasil. Ça a été déjà dit ce matin par Idrissi. Donc, le projet Oasil, comme ceux qui le savent,
On a déjà réalisé, avant cette étude-là, une autre étude qui a permis de distinguer les différents types d'oasis qui existent dans la région. Et là, on a identifié 19 types d'oasis qui ont été distingués selon des critères topographiques, bioclimatiques, etc., socio-économiques. Et au sein de cette diversité des oasis, le projet Loisil a sélectionné 5 sites typiques au niveau desquels il a réalisé les différentes études et aussi il a réalisé des plans d'investissement comme modèle à suivre et généraliser par la suite. Donc les 5 sites qui ont été choisis, ils vont du nord vers le sud, depuis les oasis de montagne qui vont depuis Tundut jusqu'à Tilmi, en passant par Iminoulaoun et M'Smerir. Nous avons des oasis de la région de Rish, M'Zizel, Rish, Gourama, Gir, les oasis de M'Leb, Arab Sbah, et des oasis de Khzama, Sirwa, et les oasis au niveau du sud de la zone presaharienne avec les communes de M'Hamid, Tagounit et Ktawa. Donc cette étude-là, elle a été réalisée au niveau de ces cinq types d'études qui se distinguent les unes des autres par différents aspects, soit par les différentes strates, soit par leur emplacement géographique, etc. En termes de démarche, donc, nous avons réalisé d'abord une analyse documentaire, parce qu'il y a pas mal d'études qui ont été des études ethno-botaniques et des études d'inventaire qui ont été réalisées dans la région, d'où la nécessité de capitaliser sur l'existant. Donc nous avons commencé par toute une analyse documentaire sur les inventaires qui existent, que nous avons appuyé par des missions de terrain, au niveau desquelles nous avons prélevé des espèces, prélevé des échantillons de plantes et procédé à leur détermination. En plus de tout ça, nous avons collecté aussi toute information que nous avons jugée intéressante. Et là, nous avons réalisé des enquêtes avec des herboristes, des tournées sur le terrain avec des éleveurs, des pastoralistes. Et aussi, nous avons aussi collecté des informations auprès des associations et de coopératives locales de femmes qui utilisent les plantes naturelles dans la région. Et donc, toutes ces informations ont été compilées pour chaque site, pour pouvoir apporter une caractérisation de ces sites. Alors pour cela, nous avons d'abord inventorié les espèces, mais nous avons aussi élaboré des cartes de répartition de la végétation, des cartes qu'on appelle des cartes des faciès pastoraux, des unités homogènes de végétation, que nous avons pu élaborer à travers la superposition de différents thèmes, de différents critères. Là, nous avons superposé, par exemple, les cartes d'altitude, les cartes des pentes, les cartes des unités structurales, pour pouvoir arriver à une carte des unités végétales que nous avons caractérisées par l'inventaire des espèces qui se trouvent sur ces cartes-là, sur ces unités-là. Ensuite, nous avons réalisé des inventaires des espèces qui se trouvent dans chacune de ces unités cartographiées que nous avons synthétisées dans le cadre de tableaux pour pouvoir caractériser la flore qui existe au niveau de chaque site. Et donc, sur cette base-là, nous avons élaboré un atlas des espèces inventoriées. Et là, nous avons inventorié 297 espèces que nous avons caractérisées à travers un certain nombre de critères. Donc pour chaque espèce, nous avons une fiche, nous avons un catalogue au niveau desquels chaque espèce est caractérisée par son nom scientifique, le nom vernaculaire, la répartition géographique, où est-ce qu'il se trouve dans la région, la famille, le type biologique, l'usage, les conditions de préservation, l'endémisme et le degré de rareté de chaque espèce. Donc nous avons ce catalogue-là qui est disponible. Et à partir de ce catalogue et de ce tableau-là, nous avons réalisé des analyses qui vont nous servir justement pour raisonner de manière objective, quel type d'intervention nous sommes appelés à faire au niveau de ces différentes unités identifiées. Donc, à titre d'exemple, je vais prendre uniquement le cas d'un seul site et je vais faire la synthèse pour la région d'une manière globale. Si je prends les oasis de l'avant-pays montagneux du Haut Atlas sur les versants du Rir et du Ziz, qui comprend 5 communes rurales, depuis M'Zezel, Gourama, Sidayed, Gristia, Lelin et Gir. Donc là, les cartes dont j'ai parlé, nous avons réalisé une carte des bioclimats, une carte des altitudes, une carte des pendages. Et à partir de cette carte-là, nous avons combiné ces cartes-là, plus les prospections de terrain, pour arrêter la carte des faciès pastoraux. Et comme vous le voyez, nous avons identifié une dizaine d'unités de végétation qui caractérisent ce site-là. Là, c'est la répartition donc des différentes des superficies par faciès pastoral. Et
aussi, nous avons inventorié toutes les familles. Nous avons les familles et le nombre d'espèces par famille pour pouvoir un petit peu se rendre compte de l'état de la diversité floristique au niveau de ce site-là. Là, c'est un tableau qui synthétise pour chaque espèce quelle est la famille, le type biologique. C'est très important de savoir le type biologique, je vais en parler. Le nom vernaculaire, ça sert aussi aux techniciens. Et les différents types d'usages, plantes pastorales, médicinales, écologiques, bois de feu, médicinales, etc., etc. Et à partir de ça, donc, nous avons élaboré des synthèses. Et là, on voit par exemple dans ce site-là que ce sont les camiphytes qui dominent par rapport aux autres sites. Par rapport aux hémicryptophytes, les phanérophytes qui sont aussi assez importants. Cela démontre, les thérophytes, ils sont là, ils existent aussi, mais ça montre le caractère stépique de ce type de végétation, alors que la présence des thérophytes montre le degré de dégradation, le degré de perturbation, le degré des espèces ruderales qui sont des opportunistes qui répondent à des états de perturbation. Donc, nous avons également relevé que la plupart des espèces sont des espèces pastorales, mais les espèces médicinales sont aussi importantes. Les espèces de bois de feu, c'est une zone de montagne, donc le bois de feu, les espèces qui servent pour le bois de feu sont assez importantes. Et aussi, il y a des espèces mellifères, nous avons le romarin, nous avons le thym, nous avons d'autres espèces. Donc ça, c'était site par site. Maintenant, d'une manière globale, je vais juste dire quelques mots sur la région d'une manière générale. Donc la région se caractérise par une grande richesse de la diversité de manière générale et une grande diversité de la flore pastorale en particulier. Plusieurs différentes espèces, chacune portant en elle-même un certain nombre d'espèces ayant différents bienfaits et vertus médicinales, aromatiques, économiques, écologiques, existent dans la région. Voilà, c'est pour toute la région. Vous voyez que nous avons tout un ensemble d'espèces de familles, d'espèces, presque toutes les espèces, les familles sont représentées et certaines espèces sont plus riches en espèces que d'autres. La richesse de la flore de la région se traduit par l'importance du nombre de familles, 58 familles et du nombre d'espèces par famille. En effet, les familles les plus diversifiées sont les astéracées, les composées, donc, qui sont au nombre de 39, les fabacées, qui sont très intéressantes, les papilionacées, les légumineuses, les poacées, qui sont des espèces pastorales par excellence, et qui sont au nombre de 35, les brassicacées, 25 espèces, et les lamiacées. Un tel résultat montre la dominance des espèces à vocation pastorale de cette région-là, notamment la présence des poacées qui démontrent cet état-là, et les fabacées. Nous avons également relevé l'importance des camiphytes, des hémicryptophytes et des thérophytes. Donc la présence des camiphytes démontre le caractère stépique de la région d'une manière générale, bien que les phanérophytes aussi existent, ça montre le peu de forêts qui existent dans la région. L'importance des thérophytes montre là aussi l'état de dégradation. Et donc, on sait que cette région-là a fait l'objet d'actions de défrichement, d'actions de surpâturage, de prélèvement des plantes aromatiques et médicinales pour des prélèvements des bois de feu. Et tout ça, ça a induit le développement d'une végétation à base de thérophytes, à base des espèces ruderales. Donc l'analyse du spectre biologique de la flore inventoriée dans la région montre la dominance des camiphytes, 104 espèces, suivies par des thérophytes, 78 espèces. Un tel résultat montre le caractère typique de cette végétation pour le premier et l'importance des perturbations, notamment le surpâturage et la mise en culture qui ont favorisé le développement des espèces ruderales. L'endémisme caractérise 34% de la flore de la région, soit 50 espèces, avec 44 espèces endémiques du Maroc. Par ailleurs, 11,4% des espèces revêtent un caractère de rareté à différents niveaux. 14 espèces sont très rares, 7 espèces sont rares et 23 espèces sont soupçonnées rares. D'une manière générale, cet état de la végétation est le résultat d'un certain nombre de forces motrices. Il y a un certain nombre de contraintes et de forces motrices qui ont généré cet état de dégradation, parmi lesquelles le déficit hydrique, l'érosion, notamment au niveau des bassins versants, l'arrachage anarchique des plantes aromatiques et médicinales, notamment le romarin, le thym et l'armoise, la consommation du bois énergie, l'intensification de la transhumance et le surpâturage, parfois la sédentarisation aussi, la prolifération des maisons cultures sur les espaces naturels, notamment dans la région de Taznart, la région de Sagro et d'autres régions, la région de Mzézel aussi, et les contraintes liées à la législation et le foncier. Tous ces résultats, donc la richesse et diversité floristique, l'importance de l'endémisme et des menaces sur cette biodiversité, interpellent pour entreprendre des mesures de conservation. La région a besoin
de mesures de conservation. Et à ce titre-là, nous avons élaboré un plan d'intervention. Un plan d'intervention a été proposé qui émane des résultats de cette étude, en plus d'une concertation avec les populations dans le cadre d'une approche participative. Et là, nous avons réalisé beaucoup d'ateliers, plusieurs ateliers qui ont regroupé des éleveurs transhumants, des éleveurs nomades, des éleveurs sédentaires et aussi avec les femmes qui jouent un rôle très important dans les pratiques de collecte et de prélèvement de ces plantes aromatiques et médicinales. Et à partir de ça, donc nous avons apporté un certain nombre d'actions, parmi lesquelles l'appui à l'aménagement et l'équipement du sous-centre, une annexe au centre de multiplication des semences pastorales de Khmis Dmetouh, qui est un centre national. Nous proposons une antenne dans la région d'Idelsen. Nous proposons également l'installation de deux centres de conservation ex situ sous forme de pastoretum au niveau de Tchagounit et de Rich. Et également, nous avons proposé un certain nombre d'actions classiques, parmi lesquelles les créations des réserves semencières. Et là, j'encourage beaucoup cette action-là, qui est très simple, et les mises en repos. La réhabilitation des agdels, la région, c'est l'unique région du Maroc qui contient encore des agdels, d'où la nécessité de les conserver. L'amélioration du maillage de points d'eau qui permet la répartition du cheptel sur l'espace et l'appui aux transhumants, surtout ceux de la montagne, Tilmim, Smrir, qui connaissent des périodes où ils sont enclavés. Et donc, nous proposons l'installation des centres d'affouragement et des abris. Toutes ces informations ont été synthétisées sous forme d'une carte qui a été mise à la disposition des collègues de la FAO et de l'Office de mise en valeur agricole, qui sont, certaines de ces actions-là sont en cours de mise en œuvre, de réalisation dans le cadre des programmes de l'État et des activités de la FAO. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup, Sif, pour les présentations des résultats de cette recherche-action et qui a permis effectivement de dresser, de faire un atlas sur les espèces existantes. Et ça montre effectivement cette richesse à préserver, bien sûr, qui est menacée en plus du changement climatique par l'action anthropique. Et ce que vous avez proposé, ce sont des recommandations vraiment pertinentes et qui peuvent être recommandées, notamment les mesures de conservation à mettre en place de manière participative avec les populations, ce qui est une très bonne chose. J'ai noté aussi que la diversité est caractérisée par à peu près le un tiers des espèces comme des espèces endémiques, qui est vraiment un chiffre très, très important à noter. Donc merci beaucoup, Sif. Je passe la parole maintenant à Rachid Moustaq pour nous présenter une thématique très intéressante aussi, c'est l'utilisation des plateformes innovantes pour la gestion, la promotion de gestion durable des sols. Merci Rachid Moustaq. À vous la parole. Ok. D'accord. Merci, c'est Amrani. À mon tour, je tiens à remercier les organisateurs pour nous avoir donné l'opportunité d'échanger avec vous et de partager avec vous les acquis d'un travail qui nous a pris plus de 7 ans. C'est un travail de longue haleine et on a essayé de le faire malgré aussi les contraintes qu'on a eues avec la pandémie, mais on a essayé de la continuer parce que on pensait que c'est un maillon manquant parce qu'il fallait aussi avoir des données récentes et actualisées. Les Anglais disent si vous voulez, if you want to manage it, you need to measure it. So, if vous voulez aménager quelque chose, il faut la mesurer. Donc, l'idée de ce projet, qui date quand même, que je dis, de lancement, c'était quelques années auparavant, depuis plus de 6 ans, ça émane d'une contrainte des chiffres. On avait des chiffres sur le palmeraie au Maroc, combien, il y a ceux qui disent 4,8, 4,9, 5, 5, 2, 6. Dès qu'on a proposé à l'ANZOA d'adopter une méthode basée sur le digital,
pour qu'on puisse quand même avoir un vrai état de lieu, qu'est-ce qu'on a comme palmeraie au Maroc. Donc je présente ce travail et je tiens à remercier l'ANZOA pour le support qu'ils ont donné. Donc vous savez, c'est un système d'information géographique en général, c'est l'information sur l'espace avec une dimension territoriale. C'est très important qu'on connaisse un peu de quoi on parle. Donc ce territoire dont mes collègues par avant Marcel ou ici, s'ils se font parler, vous avez vu des cartes, il fallait aussi gérer ça dans l'espace. Et aussi des oasis, comme vous le savez, maintenant qu'on, tout le monde connaît un peu sur le traditionnel, mais il y a depuis quelques années un effort sur les extensions vers des palmeraies aussi nouvelles. Mais il y a la condition, et ça a été dit, fragilité de milieu. Donc c'est là où il faut bien mesurer l'espace et aussi les ressources disponibles pour apporter des solutions appropriées. Et vous avez vu déjà qu'on ne parle pas d'une seule oasis, il y a plusieurs typologies d'oasis, et montagnes, de froide, et ainsi de suite. Donc chacun de ces oasis nécessite une adaptation particulière. C'est là où on a proposé une action de recherche qui inclut plusieurs axes. Parmi ces axes-là, il y avait un output qui concerne à développer un SIGPALM, un outil d'aide à la gestion des palmeraies marocaines. Mais il y avait d'autres axes, notamment tout ce qui est conservation de la biodiversité, l'identification des clones et d'autres aspects. Donc l'objectif, c'était de dresser un état de lieu sur ces palmeraies et délimiter par imagerie satellite de très haute résolution, parce que les images basse résolution qui sont disponibles gratuites, mais ceux qu'on a opté, c'est de la haute résolution. On les a négocié un peu les prix pour avoir accès à ces... Et qui était impossible il y a quelques années, avoir ce genre d'imagerie parce qu'il était tellement cher. Et on a commencé aussi à proposer des méthodes de dénombrement de plantes et de cartographie sur la densité des plantations qu'on ne savait pas. Et ça nous permet aussi de faire une dérivée qui concerne la délimitation des zones à risque potentiel de biote. Je pourrais en parler si on a le temps. Et aussi les délimitations et le suivi, ça c'est très important, des zones d'extension. Et ça, c'est, vous savez maintenant, à l'époque, on parlait, est-ce qu'on va vers 17 000 hectares, est-ce qu'on va vers 12 000 hectares, et ainsi de suite. Et dans quel site, est-ce que les ressources le permettent, et ainsi de suite. Il y avait beaucoup de questionnements, mais à la rigueur, il fallait avoir des outils qui permettent ce suivi et évaluation. Donc la méthodologie qu'on a optée, c'est une méthodologie qui est utilisée normalement, qui est l'approche aréolaire probabilistique, c'est elle que le ministère utilise, mais certaines filières, notamment les agrumes. Mais là, on a essayé de l'adapter pour le contexte des palmeraies qui sont marquées par l'étendue. Ils ne sont pas sur un seul espace, mais très large dans l'espace. Et on a visé aussi les superficies cultivées et essayé d'avoir dénombrement. Donc il y a une estimation statistique connue, zonale. Mais là, on est allé appuyer ça par la haute image satellite qui permet de voir carrément le palmeraie, la palmier, et aussi quelques validations terrain qu'on a fait rapidement. Donc après, on a délimité les zones homogènes par des dérivations d'indices de végétation et on a essayé de travailler sur des segments. C'est ce qu'on appelle l'approche segmentaire pour délimiter les zones homogènes et dénombrer les plantes, valider ce dénombrement par ces zones et calibrer par exemple les zones d'entraînement. Maintenant, peut-être que vous avez compris pourquoi on a pris beaucoup de temps, parce qu'il y a certains palmeraies qui sont excentriques. Et il fallait aussi tenir compte de, entre les palmeraies connues principaux, ces palmeraies excentriques, de faire des zones d'entraînement et valider les données sur le terrain. Et je dirais que, heureusement, que grâce à des collègues qui travaillaient avec nous de l'ANZOA, et je mets expressément certains collègues qui travaillaient avec nous au niveau des offices, qui nous ont aidés à faire cette opération. Et d'ailleurs, c'était là l'objet de cette délimitation segmentaire. Et vous voyez comment on a pu avoir des zones homogènes. Et on a délimité les parcelles. Après, on a pu avoir ce qu'on appelle des zones homogène en termes de densité.
Donc la méthodologie qu'on a utilisée, c'est elle représentait les surfaces et on élimine tout ce qui est moins de 1% pour qu'on garde que les grandes surfaces. Et on a essayé de faire une distribution systématique par rapport à une distribution orientée qui était aussi une voie à suivre, mais c'était la plus simple. Et d'ailleurs, on s'est amusé, bon, je dirais, à mettre des gens pour compter point par point le nombre de palmeraies à un titre, par exemple, de mesure, et pour déterminer un peu les touffes, parce qu'il y avait un problème de touffes par rapport au pied de palmier, et sur ça qu'on a pu quand même à la fin délimiter et trouver l'algorithme qui nous a permis après de générer des équations de dénombrement. Donc, et là, c'est un exemple qu'on a fait de validation terrain, et même on a allé jusqu'à mesurer un peu le franc de ces palmeraies et faire une représentation de différentes densités. Et on tient en compte aussi si c'est des palmeraies ou c'est autre culture, mais c'était, comme vous voyez dans ce genre de carte ou d'image, la haute résolution qui nous permettait d'aller vers ce... Et à la fin, on a délimité ces cartes de densité par province. Exemple ici, c'est le cas de Rachidia. Et vous voyez déjà qu'on a des zones où il y a la haute intensification en termes de palmeraies. Il y a ceux qui sont moins denses, la palmeraie d'Alfous, et aussi Alfoud, et ainsi de suite. Donc, les chiffres clés qu'on a retenus. Donc ici... Le niveau national, le chiffre sorti, c'était 6,5 millions de plans, qui était le chiffre qu'on a fait sortir. Et on a trouvé à peu près 85 plans par hectare, comme densité moyenne. Les provinces, donc ceux qui ont une grande superficie, c'est toujours Rachidia et bien sûr la province de Zagora, en termes superficie. Et ça aussi, en parallèle avec le nombre de plans. Donc, on parle de 2,7 à 2,5 millions entre Rachidia et Zagora. Vous voyez, on a délimité cette carte. Et ça, c'est vraiment sur un système d'information qui va jusqu'à la commune. Donc, on peut aller jusqu'à la commune. Je vous donnerai après l'exemple, jusqu'à la commune où est-ce qu'on était. Et donc, ici, vous voyez déjà qu'il y a ceux qui sont moins denses, de la région d'Assezag-Gulmim. Et aussi Tinrir et Ouazizet, où on retient que la densité est moins que 250 000 plans total. Mais il y a ceux qui ont une intensification plus grande, comme celle de Rachidia et Zagora. Bien sûr, Figig vient au milieu. Et là, ces données-là sont maintenant incluses dans cette base de données. Et chaque province, on connaît à peu près le nombre par pied. Et ça permettrait de générer un peu la densité moyenne, ce qui permettrait aussi de voir où est-ce qu'il y a l'effort à faire en termes, s'il faut réduire ou augmenter en termes de plantation, parce qu'on sait qu'il y a 3 millions de plants qui vont être ajoutés dans le cadre de la nouvelle stratégie Génération Green. On peut déjà savoir où on pourrait encore mettre un peu de plus par rapport à d'autres où il y avait beaucoup de pression. Et à la fin, on a développé un géoportail qu'on a appelé SIGPALM. Donc, je ne vais pas tarder trop, mais l'essentiel d'un effort, vous voyez déjà les cartes qui ont été présentées par mon ami Sissif tout à l'heure. Quand on fait un effort, un projet, parce que cette zone-là, il a reçu beaucoup de projets. Mais malheureusement, quand le projet termine, ces données disparaissent. On a eu au début, pour qu'on puisse avoir accès à ces fonds cartographiques, c'était très difficile. Sauf si vous êtes dans un projet qui demande que cette formation-là soit géoréférencée, soit partagée. Donc l'effort ici, c'est de toute information cartographique soit être cataloguée et intégrée sur un système et accessible. Bien sûr, le niveau d'accessibilité peut être discuté. On pourra donner le droit selon, je dirais, la position de est-ce que c'est des données publiques accessibles, parce que les chercheurs, et vous voyez, on a beaucoup de pression sur cette région, et si on veut répondre et proposer des solutions, il faut avoir de l'information réelle et actualisée. Quand on utilise des données anciennes, on ne répond pas à la réalité actuelle. Il y a beaucoup de pression sur les ressources, mais si on veut les gérer d'une manière durable, il faut avoir accès à la data actualisée. Donc ce SIG, l'idée, c'est qu'il soit interactif, mis à jour,
et pas finalisé, parce que nous, pour nous, c'est comme un être vivant. Il doit être updated. À chaque fois, on doit mettre à jour ces informations, parce que, moi, je dirais ça, et mes collègues, Siboisiz et d'autres, peuvent dire la même chose, que cette région-là, maintenant, il est dans un dynamisme très important en termes d'extension, en termes de besoins en eau. Et ça, il faut qu'on réponde avec des données actualisées. Et un des composantes qu'on a essayé d'ajouter ça, c'est d'abord le point de dénombrement. Par exemple, on sait qu'il y a un nombre de plans nouvellement acquis qui vont être installés dans une région. Il faut qu'on sache où ils vont être plantés. Donc c'est important qu'on connaît un peu, et pas juste le chiffre d'une manière globale, mais ce serait bien si on a une délimitation géographique. La même chose pour le profil variétal. Où est-ce qu'on va mettre ces variétés? Si on a des variétés nobles, Bijhoul ou autres, s'ils seront dans une région, est-ce que cette région elle est baïodée ou pas baïodée? Donc il faut avoir ces informations pour qu'on puisse orienter aussi le profil variétal et mettre ceux qui sont moins sensibles par rapport à une contrainte. Aussi, on a ajouté une base de données sur ces aspects de variété et aussi inclure des clones qu'on a recensés qui sont d'une valeur économique et agronomique très importante. Il y a des collègues qui m'ont dit qu'il y a des clones qui sont mieux que le Bijhoul, mais les gens ne le savent pas. Mais ils sont très pointus sur l'espace. Donc, toute cette information-là existe dans ce cycle PALM, qu'on a essayé qu'il soit interactif, qu'il est accessible, qu'on peut poser la question par rapport à une commune où ça se trouve telle densité, telle variété, tel aspect. Et on peut rechercher par palmerie, par commune, où ça se trouve telle information. Et par exemple, ici, Tata, combien de nombre d'hectares, et ainsi de suite. Et on peut même interroger et consulter. Et on donne le droit aux gens s'ils veulent modifier. Mais ça doit être au niveau de l'ANZOA, par exemple. Ça actualise le profil variétal. Si on trouve une variété nouvellement installée, par exemple, si c'est les zones d'extension, où est-ce qu'on a mis les variétés Njda, la variété, je ne sais pas, Bouskri, ainsi de suite. Vous voyez, Boustahmé, on a mis beaucoup d'espèces et des variétés ici pour qu'on puisse quand même localiser où ça se trouve. Aussi, les zones à risque de baïote. Parce qu'on a développé une méthode qui permettait, vu l'indice de végétation, on l'a validé aussi avec des phytiatres sur le terrain, et on a identifié que ça permettait de dire quelles sont les zones à risque de baïode, et donc il faut éviter qu'on mette des espèces ou des variétés qui sont sensibles. La région de Figig, Rachidia, Tinri, Zagoura, en pourcentage, et on peut dire éviter cet endroit et pas d'autres. Et aussi pour les clones d'intérêt, donc les prospections terrain, ça coûte très cher. Mais quand vous faites cette prospection, il ne faut pas la rater. Peut-être vous dites, moi je l'ai fait, bon je la garde dans un coin, mais après, vous savez, le projet termine et on perd l'information. Il vaut mieux que toutes ces informations soient géoréférencées dans une base de données, qu'on puisse après peut-être revenir à ce clan, parce qu'il y a un caractère résistant par rapport à une maladie, qu'on pourrait facilement extraire et aussi développer de l'information par rapport à ça. Donc finalement, un cycle PALM, qui est un outil d'aide à la décision et de prise de décision, bien sûr, l'idée, c'est d'assurer la durabilité des systèmes voisins qui subissent une pression très importante. Ça pourrait aider, et nous, on a travaillé sur certains aspects en termes de réhabilitation des anciens oasis, la bonne gestion et le suivi de l'évolution aussi des extensions agricoles, parce qu'il y a beaucoup, vous savez, Boudnib, donc avoir un système de monitoring, évaluation, c'est très important, ce qui se passe maintenant, on peut suivre par rapport à l'année prochaine et ainsi de suite. Préservation de la biodiversité, d'ailleurs par exemple, ma collègue tout à l'heure va présenter l'aspect de la carte variétale, la carte de fertilité, qui va être inclue ici aussi, je pense, dans ce SIG. L'idée après, c'est que même on suive les aspects sur la salinité des sols, parce qu'en installant des gouttes à gouttes, nous avons remarqué que certaines régions, il y a le taux de sel qui commence à augmenter. Donc ça permettrait aussi de voir ça. Et enfin, avoir une gestion territoriale intégrée de ces écosystèmes,
et ajouter aussi des informations que si, par exemple, par rapport aux aspects pastoraux qui sont aussi très importants dans ces écosystèmes. Et voilà, et je tiens à vous remercier à la fin. Merci. Merci beaucoup, c'est Rachid Moussentak. Donc, vous voyez, ce type de projet est vraiment très pertinent. Et le rôle de la digitalisation, ce système de SIG, permettra aux décideurs de capitaliser sur les résultats pratiques de terrain. C'est une aide à une décision précieuse qui s'inscrit justement dans ce qui est recherché dans la politique, parce qu'effectivement, il y a une volonté de planter 3 millions d'arbres, donc de palmiers dattiers. Et donc, ça permet effectivement aux décideurs d'orienter de là où il y a des problèmes. Et la typologie que vous avez faite est très pertinente parce que vous avez fait une démarche... parce qu'il y a des systèmes et des systèmes. Les zones ne sont pas homogènes. Il y a un gradient et donc c'est vraiment c'est pertinent. Ce que je note aussi, c'est que vous plaidez, et nous plaidons avec vous, de continuer ce type de pour alimenter. Parce que le défi, maintenant le géoportail, il est disponible et il faut l'alimenter par la suite, actualiser à chaque fois qu'il y a une nouvelle plantation ou des nouvelles maladies, etc. Toutes les données sont nécessaires à actualiser et donc les responsables et les décideurs sont invités à donner les moyens nécessaires pour accompagner ce chantier qui est très, très intéressant et très utile pour la région. Nous allons continuer donc les présentations. Tout à l'heure, nous avons vu ensemble avec CISF la richesse en matière de la biodiversité. Toujours dans la même lancée, on passe maintenant sur le volet de la faune. Donc j'invite M. Sahar Al-Ayashi qui va nous présenter la thématique de la richesse faunistique dans la région de la Atafilit. Je vous invite à exposer en 15 minutes. Je vous félicite. Voilà. Ah ouais. Donc, attends, la présentation. Là, l'appareil en face de l'éclair. صافي كتعرفوا نسيب هذا صافي نبارك على هذاك وكيبها هو اللي كره حدك. السلام عليكم. Ce travail que je vais présenter, c'est un résultat d'une liste importante de travaux qui ont été réalisés dans la région depuis début 2000, les années 2000. Et dont j'ai eu la chance de participer pour la plupart d'entre eux. Alors, les richesses faunistiques de la région de l'Atafilalt, état actuel, les perspectives de conservation, de préservation donc, et de valorisation. Ah. Donc la région, ça fait merci. Donc la région, donc elle est caractérisée par une grande diversité d'habitats naturels, qui est principalement la résultante ou les conséquences quand même de grandes d'un important d'abord étagement altitudinal, de climat varié du saharien à l'humide. Des reliefs puissants et des escarpements très importants, et aussi de vastes plaines alluviales et des milieux ensablés. À travers ces caractéristiques biologiques et écologiques, on distingue à peu près 5 régions d'affinités écologiques différentes, telles que le versant sud de Haut Atlas, donc central, le Bani et l'Anti-Atlas à l'ouest, le plateau Saharia et le bassin de Guir avec les Hamada et les Moyen Dara. Et la dernière, c'est le Moyen Dara et le Sahara.
Et aussi, la région, elle se caractérise par un important réseau hydrographique. Et c'est très important, d'abord pour le maintien de la biodiversité. Il faut dire que 70% des espèces... Il dit que 70% des espèces, principalement les oiseaux, sont concentrées au niveau des milieux humides. D'autant plus, quand même, ce réseau hydrographique, avec la garniture de végétation de part et d'autre des cours d'eau, joue quand même le rôle d'un important, enfin, de couloir de circulation de la faune et d'échange. Donc des espèces sauvages entre les différentes régions et surtout principalement entre les plaines et les altitudes. Et aussi comme couloir de migration pour nombre d'espèces, principalement les oiseaux, les petits oiseaux. Donc voilà, de point de vue couvert végétal, bien que faible, elle est variée. Donc les reliques de forêt, principalement de cèdres, de chênes verts, et de genévriers turifères au niveau des altitudes. Il y a aussi les steppes épineuses au niveau des altitudes. Il y a les steppes arbustives en moyenne montagne et les steppes pré-désertiques, donc, et formation d'acacia radiana au niveau des plaines. Il y a bien entendu les milieux oasiens de plaines et de montagne. Donc ici, quelques... En haut, là-bas, c'est les steppes arbustives. Ici, c'est en bas... C'est l'oasis de montagne, il y a aussi des terrains d'altitude. Et voilà aussi d'autres paysages, parmi lesquels il y a le Homgun, la région de Zeremt avec les douars de Zeremt, donc une zone qui est relativement très, très froide. Il y a la haute vallée de Homgun avec les mouflons à manchettes. Il y a les Khtara, qui sont vraiment des habitats très importants pour les chauves-souris et les amphibiens. Donc c'est vraiment, il y a beaucoup d'espèces qu'on retrouve. Et il y a également des barrages, ici le barrage de Tarzout à Siloa, donc avec une population très importante d'une espèce qui est relativement menacée, c'est la Tadourne Kazarka. Donc de point de vue oiseau, il y a quand je donne des chiffres, c'est le minimum. Hein, un minimum de 195 oiseaux réguliers de la région, dont 170 terrestres et 25 aquatiques. Les passereaux, ça veut dire les petits oiseaux en général, qui constituent quand même 57% du total. Les rapaces, 21 espèces diurnes et 4 nocturnes. Donc parmi les urnes, il y a 8 espèces qui sont nicheuses au niveau de la région. Donc environ 70% des oiseaux... D'accord. Merci. Donc parmi les oiseaux, il y a... Quand on parle endémisme dans le cas des oiseaux, il faut aller vraiment à l'échelle du Maghreb, parce qu'il n'y a pas d'espèce d'oiseaux endémique à l'échelle nationale. Par contre, donc, il y a 4 espèces au niveau donc, du Maghreb, et quand on parle au niveau subspécifique, c'est-à-dire au niveau sous-espèce, il y a au moins 14 espèces qui sont endémiques du pays. Il y a au moins 24 espèces menacées, rares ou localisées, dont une espèce locale qui figure dans la liste rouge de l'UICN, c'est-à-dire elle est menacée à l'échelle globale. Par contre, les mammifères, donc, nombre d'espèces qui ont disparu, telles que le lion, la panthère, la hyène rayée, le guépard, c'est-à-dire dans la région demeurent plusieurs espèces de grand intérêt pour la biodiversité. On voit en haut un peu les ongulés, les trois espèces, le mouflon, la gazelle de Cuvier, la gazelle d'Orcas. Puis, les trois espèces au coin sont des espèces qui sont déjà disparues, ils sont en train de les réhabiliter. Donc, en bas, il y a les carnivores, principalement, qui sont vraiment...
c'est la région, du point de vue pour les mammifères, c'est la région la plus riche du pays. Draata Filalt, c'est la région la plus riche du pays. Du point de vue aussi reptiles, il y a donc 7 amphibiens et 44 reptiles. Et parmi les espèces qui sont de grand intérêt pour la biodiversité locale, voire même internationale, il y a le varan, il y a le cobra, il y a deux espèces endémiques, dont le lézard en bas, c'est, s'appelle le lézard de l'Atlas ou le lézard d'Andersky, qui est vraiment un endémique très localisé. Pour le voir à l'échelle globale, et pour le voir, il faut aller au sommet du Haut Atlas pour le voir. Donc, il est localisé au niveau du sommet du Haut Atlas. Donc, alors, les poissons. Les poissons, donc, on distingue, il y a le barbeau, c'est les poissons en bas, qui vivent un peu au niveau des plaines, dont l'eau, la température de l'eau, elle est tempérée. Et il y a les truites, là-haut, qui vivent en altitude, et dont la température ne dépasse pas 13-14 degrés. Donc, c'est des poissons de froide. Donc, ils vivent d'une façon séparée. Donc, il y a le barbeau, il y a le barbeau de Lepine, qui est le barbeau d'Yeldraa, qui est endémique. Il y a le barbeau de Paléri, dans le bassin de Ziz et Gir. Il y a la truite de Draa, c'est... Donc, Salmo multipunctata, c'est une truite qui vient d'être identifiée endémique. Donc, c'est une photo que j'ai prise au niveau des sources de Mgoun. Et elle est endémique du bassin de Draa. Et la deuxième truite, c'est la truite Fario salmotrota, macro au niveau de l'ouest Sidi Hamza, donc dans la partie orientale de la région. Et il y a le tilapia, une espèce d'origine africaine, donc là-bas au fond, donc qui est rencontrée au niveau des giltas, ce qu'on appelle les résurgences trouvées au niveau du Moyen et du Badra. Alors, la pertinence de la région pour la conservation de la biodiversité. D'abord, il faut noter qu'il s'agisse d'un carrefour biologique, biogéographique. Pourquoi ? Parce que la situation de la zone Draata Filalt est les charnières entre deux domaines d'influence méditerranéen au nord et influence désertique au sud. Donc, les espèces rencontrées au niveau de la région de Draata Filalt, c'est un mélange d'espèces d'affinités différentes. Et c'est une région qui revêt une importance très importante pour la conservation donc, de la biodiversité faunistique. Pourquoi ? Parce que la plupart des espèces se trouvent au bord donc, de leur aire de distribution biogéographique. Les bords, c'est-à-dire les limites nord pour les espèces désertiques, les limites sud pour les espèces donc, méditerranéennes ou la paléarctique. D'où l'intérêt, parce que ce sont des zones relativement sensibles pour la biodiversité. Il y a aussi quand même un cortège de rapaces qui est relativement important, dont l'aigle de Boliné, l'aigle royal, mais quand même à souligner principalement l'importance du gypaète barbu. Le gypaète barbu, qu'on appelait dans le temps l'aqab. Donc c'est une espèce de grande envergure, 3 mètres les ailes quand il les ouvre, et c'est une espèce qui a un régime alimentaire spécial. Les os, il mange les eaux. Donc, vu la rareté quand même de cet aliment, l'espèce elle est devenue très rare. On rencontre moins de 10 espèces à l'échelle de tout le Maroc. Alors, la présence d'outarde Houbara, donc l'outarde dans la région, et 5 espèces de ganga aussi, procurent à la région donc, des valeurs ornithologiques inestimables. La région tient aussi sa notoriété à la présence de 3 angulés sauvage, le mouflon, la gazelle de Cuvier et la gazelle d'Orcas. Mais seul le mouflon qui bénéficie d'une bonne représentativité au niveau de la région. Certains carnivores aussi, la région elle est très riche en carnivores, parce que c'est la plus riche du pays. Donc, certains carnivores méritent de retenir une attention particulière, dont le ratel. Le ratel, c'est un carnivore, mais même, il mange du miel.
Donc le carnivore, le ratel, il se trouve au niveau de versant sud de Suroua et de Bani et Ereki. Le caracal, donc le Bani et Ereki, et la loutre, donc avec bonne représentativité au niveau de deux régions. La loutre, c'est, on l'appelle berbère idin ou aman, kilbelma ou la. Là, c'est une espèce, la loutre, c'est une espèce, donc un mammifère semi-aquatique qui trouve vraiment des conditions très favorables au niveau du versant sud de Haut Atlas, principalement une nourriture importante. Elle lâche. La population de la région ne mange pas les poissons. Donc une nourriture abondante et des densités vraiment les plus importantes de deux pays. C'est tout à fait. Donc au niveau du versant sud de Haut Atlas. Alors, les richesses herpétiques, ça veut dire les amphibiens et reptiles, sont célèbres par la bonne représentativité des espèces désertiques, le fouet de queue, donc le varan de désert et le couvra d'Afrique du Nord. En ce qui concerne les poissons, c'est principalement les deux truites que j'ai citées qui retiennent le plus d'importance. Les principales menaces au niveau de la région, donc la sécheresse, c'est un phénomène naturel. Donc, qui se traduit par la perte de biodiversité, la déstabilisation. La faune des milieux désertiques, principalement, c'est une faune erratique, sans demeure fixe. Il est tout le temps à la recherche des conditions les meilleures. Donc, c'est pour cela que lorsqu'il y a une année pluvieuse, on se rend compte très rapidement que le milieu est très bien constitué. Ce n'est pas des naissances sur place, mais vraiment, c'est des arrivées d'autres régions défavorables. Donc, les espèces sont erratiques. Les impacts liés à la sédentarisation des nomades. Alors là, c'est un grand problème. Le phénomène de sédentarisation que vit la région depuis quand même la fin du dernier siècle, et donc ce que ça traduit par l'extension des constructions, la colonisation du milieu qui était avant vierge. L'extension des constructions, la diffusion des cultures, le surpâturage, le conflit avec la faune sauvage, parce qu'il y a la faune sauvage maintenant, et il attaque les fermes de la population locale. C'est-à-dire les chiens errants, c'est un grand fléau national dévastateur de la faune sauvage. Et il y a aussi, au niveau de l'irrigation, les petits barrages de déviation de l'eau pour l'irrigation. Il a un effet barrière, obstacle, qui empêche la remontée, le déplacement, donc en altitude des poissons, et surtout donc, lorsque les poissons sont traînés par les crues, donc pour surtout la truite, les truites. Donc avec ces digues, ces barrages, ils sont bloqués. Les facteurs de perturbation des écosystèmes, là c'est un phénomène général à l'échelle nationale. C'est le lavage du linge au niveau, le détergent, l'usage du détergent. Là, c'est un grand problème et la population locale le sait très bien. Et chaque fois que, dans le cas des enquêtes, ils me disent, là, il y a des poissons, il y a du savon, il n'y a pas de poissons, il n'y a pas de biodiversité. Il y a le braconnage. À Outaniada, c'est un grand problème à l'échelle pour la faune sauvage, principalement. Il y a le danger lié donc au traitement anti-acridien. Ce qui se passe actuellement à Tata, il ne va pas passer sans conséquences néfastes pour la biodiversité. Il y a plusieurs espèces qui vont disparaître au moins pour une dizaine d'années avant reconstitution du système, telles que par exemple le corbeau brun, le corbeau du désert, le hérisson sont les espèces qui mangent ces insectes, ces criquets intoxiqués. Il y a le danger, il y a les menaces liées donc aux activités touristiques, le dérangement. Je vous raconte que j'étais à Ereké entre Foumzguid et Mohamed, donc pour l'étude sur la biodiversité, et la nuit à 1h du matin, j'étais près de Chkaga. Et j'entends des détonations quand même là, à 1h du matin, mais ce n'est pas possible. Ça, c'est un dérangement direct de la faune. Alors, cadre de conservation dans la région, c'est-à-dire qu'il y a des études
dans le cadre de l'observatoire du Sahel et du Sahara à Wadmir, Sigb de Wadmir et Issoughi, de 1998 et 82, dans lequel j'ai participé, la réserve de biosphère des oasis, le réseau des aires protégées avec trois sites Ramsar, ça c'est très... Mgoun, le moyen Ziz et le moyen Dra, trois sites Ramsar. Il y a la stratégie nationale de conservation des ongulés en 2007, donc qui tient compte un peu le développement des ongulés dans la région. Il y a le projet CBTHA, c'était un grand projet de 10 ans. C'était CBTHA, ça veut dire conservation de la biodiversité par la transhumance dans le versant sud de Haut-Atlas. Et c'est un projet qui a été généralisé sur l'ensemble qui tenait compte principalement de la conservation de la biodiversité en espérant relancer la transhumance. Et il y a l'étude ONZOA concernant, dans laquelle aussi j'ai participé, la gestion de la biodiversité et la valorisation des ressources en eau dans la vallée de Dra. Et dernièrement, le dernier projet, donc, c'est le projet Oasil qui a réservé un grand intérêt à la faune sauvage donc, de la région de Dra et Tsafilalt. Alors, c'est-à-dire que ces actions proposées pour la conservation de la biodiversité sont inspirées un peu de l'ensemble de ces travaux et des conclusions de ces travaux qui ont été réalisés dans la région. Donc, la première composante, c'est la conservation des ongulés dans la région de Drafalfi. Et qui dit ongulés, ça veut dire renforcer les populations encore existantes, le mouflon, la gazelle du cuvier, la gazelle d'urcasse, et réintroduire les populations d'espèces disparues telles que l'oryx et la dax, donc qui sont des espèces déjà, l'autruche aussi. Donc, et ce qu'on propose comme première action, c'est parce qu'au niveau, et selon la stratégie nationale de conservation, on a installé trois enclos, trois réserves. Il y a Boumrad Mohamed, il y a le Khang dans la région de Rachidia et il y a Msisi. Donc ces régions-là, c'est surtout pour l'acclimatation et le développement de la faune sauvage encore existante, le renforcement et la réintroduction de la faune disparue de la région. Deuxième action, composante 1, dans le renforcement de la population sauvage du mouflon. Le mouflon, vous savez, il est représenté par une population très intéressante, très importante, qui compte à peu près 200-300 individus, disons, au niveau de la haute vallée de Dadès. Donc, et l'espèce se prête bien à la conservation et à la multiplication. Donc, on propose la création de deux enclos donc pour le développement, le renforcement des populations sauvages. Donc, un enclos au niveau de Sahro, principalement à Ekniouen, donc pour repeupler c'est-à-dire le parc national du Haut Atlas oriental, et il y a aussi repeupler, quand même renforcer la population de Dadès et réintroduire le mouflon au niveau de la haute de Homgoun. C'est une région très favorable pour accueillir ce. Il y a un enclos aussi qu'on propose principalement au parc d'Ereki, c'est-à-dire entre Mhamid et Foumzguit, pour le développement de la population résiduelle existe encore là, mais surtout pour le repeuplement du versant sud de Sirwa. Il y a la conservation, donc la réhabilitation, quatrième ou troisième action, la réhabilitation de la population de la gazelle de cuvier. La gazelle du cuvier, elle est représentée par deux petites populations, une à Wisselsat Sirwa et une donc, de cet individu qui est dans la plaine de Guernane. C'est une espèce qu'il faudrait vraiment bien réfléchir pour essayer de relancer les populations de cette espèce. Engager un problème de lutte, de surveillance contre les chiens errants, c'est une action donc d'extrême urgence pour la région.
d'extrême urgence nécessitant donc d'engager des mesures d'éradication totale, pas uniquement. Parce que, par exemple, je donne l'exemple de la cuvier des Guernin. C'est une espèce erratique entre la plaine et la montagne. Lorsqu'il y a la neige, l'espèce elle est obligée de descendre au niveau de plaine et là, il y a les chiens errants. Donc, en 2007, il y avait 20 individus. Actuellement, il y a moins de 7 individus. Deuxième composante, c'est un projet intégré pour la préservation de la biodiversité dans le massif de Sirois. Le massif de Sirois, il n'a pas fait l'objet de plus d'études dans le cadre de la biodiversité faunistique. C'est une espèce. Donc la première étude, c'est ce qu'on avait réalisé dans le cadre du projet Oasil, et il y a beaucoup de manque d'informations sur le système, mais il y a un grand problème aussi, il y a un grand manque d'eau au niveau de la région. Donc le massif de Sirois mérite de faire l'objet d'un projet intégré, tenant compte donc du développement d'agriculture, le safran. Je ne parle pas ici de pommier, parce que le pommier, c'est une culture nouvelle pour la région. Le safran, qui est moins exigeant en eau. Il y a un grand manque d'eau à Sirois. Le projet serait possible sur la base d'aménagement des barrages collinaires. Donc, barrage collinaire, ça va servir pour l'agriculture, le safran, pour la faune, c'est-à-dire les animaux d'élevage, et aussi pour le maintien de la biodiversité faunistique. Et à mon avis, moi, je propose de commencer par un projet pilote dans la commune territoriale de Khouzama. Pourquoi ? Parce que là, vu le contact que j'avais avec eux, ils ont déjà localisé des sites pour l'installation de ces barrages. La composante 3, c'est la dernière, préservation des milieux, c'est l'avant-dernière, des milieux humides. Donc c'est principalement ici. Vous savez tous, ou certains parmi vous connaissent un peu l'histoire du lac d'Erequé, donc qu'il faudrait absolument réhabiliter. Parce que vraiment, il jouait un grand rôle dans la conservation de la biodiversité dans la région. Et aussi, il faut travailler dans le sens d'atténuation, de changer ses habitudes de lavage de linge au niveau des directement dans l'eau, dans les rivières, donc un problème de Hada, et faire de l'Oued Mgoun et l'Oued Sidi Hamza deux sites de grand intérêt pour la conservation, d'où la loutre et deux espèces de truites. Donc les deux espèces de truites qui méritent, c'est un trésor pour la région, vraiment, les truites qui... dernier point, composante 4, c'est garantir une mise en valeur touristique durable. Donc le développement touristique, donc naturel, porte beaucoup d'espoir pour le développement durable. Et moi, à mon sens, le parc d'Erequé, avec les réserves de Mhamid et la haute vallée de Dadès, avec les mouflons à Manchette, et les cours d'eau d'altitude Oued Mgoun et Oued Ait Hamza, avec des populations importantes de l'eau et de Torwit, ferait son contexte donc des pôles d'excellence pour cet objectif, le développement du tourisme naturel. La mise en œuvre de ce projet, donc, est d'abord formation des groupes d'intérêt, ceux qui vont se charger donc la mise en œuvre deuxièmement, donc, développer des moyens et outils d'information. Pourquoi pas des musées d'information au niveau des grandes villes, Ouarzazate, Zagoura et Rachidia. Organiser des visites de terrain, prévoir donc des circuits loutre, des circuits à la recherche de l'eau. Ça existe en Tunisie. Des circuits loutre et des circuits mouflon, voire la faune sauvage, au niveau de ces différentes régions. Donc, éviter le dérangement et la perturbation des animaux dans la nature au cours des randonnées donc, et des bivouacs. Alors, j'ai parlé du circuit, juste, c'est la dernière. Ça, c'est intéressant, ça, c'est hors. Vous avez ici la loutre. Donc, et j'ai parlé d'organiser un circuit loutre. Donc, dans le circuit, il ne faut pas espérer de voir l'espèce parce que c'est une espèce très discrète. Ça, sur le point observation directe. Mais sur le point trace, vous voyez ces traces que j'ai photographiées dans la vallée de Mgoun, donc sont très visibles et très reconnaissantes. Vous avez ici des empreintes digitales et vous avez des VCS avec
les os donc des grenouilles, les écailles de poissons, les arêtes de poissons, c'est caractéristique. Et puisqu'il s'agisse d'un carnivore, les chiens et tout ça, ils mettent les fesses au niveau bien montré. C'est pour marquer le territoire. Donc c'est facile à voir et facile à détecter. Donc c'est facile à estimer un peu l'importance de la population au niveau de système. Ici, c'est les gorges de Mgoun, donc qu'il faudrait visiter à tout prix, parce que vraiment, c'est un paysage extraordinaire. Et quand on le traverse, on a des sensations de dépaysement et des sensations donc, d'aventure donc, qui font vraiment la beauté de qui justifie la beauté de ce paysage. Voilà, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup, Sey Yachi. Donc, vous avez vu cette présentation très riche qui nous a fait nager avec la diversité de la faune. Vous avez évoqué effectivement le défi de la durabilité de cette faune. Et vous êtes surtout revenu plusieurs fois sur le lac Ereki. Bien entendu, vous connaissez tous. Le problème qui est venu après les années 70 avec le barrage Mansour Dabi, avec les conséquences. Maintenant, je sais que les responsables, notamment l'ONZOA, ils sont en train de réfléchir pour réhabiliter ce lac. Et avec l'introduction d'un certain nombre d'espèces que vous avez proposées, ce type de projet intégré avec un tourisme durable serait vraiment bénéfique. Vous avez évoqué la crainte justement du tourisme dans les diapos au début, mais vers la fin, vous avez conclu avec la conclusion que de toutes les façons, dans cette région-là, le tourisme est vraiment nécessaire, mais il faut qu'il soit durable. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, il faut raisonner un développement durable avec un marketing territorial, là où il y a une action intégrée de tous les décideurs, en impliquant aussi la société civile et les organismes de la société civile. Donc, avant de passer à la présentation de Mademoiselle Émilie, je vais juste m'assurer que Lamia Louali, est-ce qu'il est avec nous? Lamia Louali. Ajallah rahmou waldik hadayana. Donc, maintenant, on va passer à une présentation de Mademoiselle Émilie Eisreich. Elle est américaine, elle est venue de l'Université de New Mexico, des États-Unis. Elle est étudiante en master. Elle va nous présenter une thématique en anglais. Donc, les assistants, les participants ont la possibilité de bénéficier de la traduction. Donc, la traduction. Donc, les Ikhwan et Akhawat, les محتاجين ترجمة لأن العرض يكون بالإنجليزية. فيمكن لهم ياخذوا الكاسك من القاعة باش يمكن لهم يتبعوا العرض ديال إيميلي. إيميلي. You can work. Donc la thématique de Emily elle est intitulée La perte des eaux cachées, les causes de l'abandon du système irrigué d'El Khtara dans l'anti-Atlas. Donc ça va relater un peu ce qui a été évoqué tout au long de la matinée. You're welcome. إيميلي تتكلم العربية بفصاحة. شوية شوية. تفضلي. السلام عليكم أزول. Hello. I'm going to switch things up and as you said give my presentation in English. هيت ما كنعرف شي فرنسي والدارجة ديالي شوية شوية. My presentation today is part of an ongoing research project I've been doing in Morocco, part of Fulbright and Ames Research Scholarship. My presentation is going to be starting off by talking about generally what the Khatara is, but we've had a lot of introductions, so I'll go quickly through that. Next, I'm going to be talking about my methodologies and fieldwork that I've been completing this past 3 years into this topic. And then I'm going to be presenting my research findings from this, which is looking at the causes of abandonment of the Khatara and asking, is traditional irrigation a sustainable solution for oasis agriculture? So what is a Khatara? The Khatara at its base function is a technology that allows water to be brought from the underground aquifer to the surface without an external use of power.
There are several physical components that are important for this structure to function. The first is the underground tunnel. The next are these ventilation or access shafts, which are spaced periodically along the system. The next is the outlet. And then finally is the irrigated area or the community which receives the water. Some photos to better illustrate what the Khatara looks like. The underground canal, again, slopes from the aquifer to the surface. It's entirely gravity-fed and can be as short as 100 meters, but some Khatara systems are up to 40 kilometers in length. These are usually earthen. Smelly. These are usually earthen canals, and in Morocco have often been reinforced with concrete. They can be quite large systems, but often will be incredibly small to crawl through. The access shafts are sort of what you think of when you think of the Khatara. They're between 1 meter deep and up to 30 meters deep. They're earthen, stone-lined, reinforced with concrete, and they allow for the cleaning and maintenance of the Khatara to happen. The outlet, again, is where the water goes from being underground to being above ground. The water is then distributed through the oasis through a complex series of canals. These are managed, as has been talked about, communally. And are usually earthen or, again, reinforced with concrete. The Khatara water is distributed through, again, the communal distribution of water, which is called the Noba. In the center, you can see one of the common measurements of water, which is called the Tanast. And it, again, is an inherited right. It is something that the community manages on itself. However, the Khatara is not